Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Quentin. Et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième présentation de livres sur la chaîne. Et aujourd'hui je vais vous présenter les livres, c'est une collection de 7 livres. C'est les origines de Cherub. Les Cherub, je les ai déjà présentés sur la chaîne. C'était ma première vidéo présentation de livres. Du coup voilà, et je vais vous présenter ces livres en 6 points. Voilà, tac. Alors déjà tout d'abord le titre. Alors le titre, c'est les Anderson Boys, comme vous pouvez le voir. Bon là c'est le tome 7, mais voilà, Anderson Boys. Après l'auteur c'est Rupert Mucamore, c'est le même auteur que Cherub, parce que, enfin voilà, en même temps c'est lui qui a écrit Cherub. S'il y a quelqu'un qui écrit les origines de Cherub, ça c'est bien lui. Le genre, alors c'est un livre qui est très réaliste, où il y a du suspense, où il y a de l'action. Voilà. L'époque, ça c'est une époque, c'est la Deuxième Guerre mondiale tout simplement. C'est en été 1940 que le premier tome débute, c'est en été 1940. Lieu, alors ça se déroule principalement en France, mais c'est une organisation qui vient d'Angleterre, voilà. Les personnages principaux, il y a déjà... J'oublie toujours ce nom. Charles Anderson, qui est le fondateur de Cherub, voilà. Puis après, il y a tous les petits agents. Il y a Mac Afferty, qui est aussi un personnage dans Cherub. Mais en fait, c'est de la même famille, ça vient de la même famille. Et Mac Afferty, la première, voilà, c'est une fille. Elle était aussi présidente de Cherub parce qu'en fait, c'était deux présidents au tout début de Cherub, voilà. Du coup, la présentation était assez rapide. Mais bon, je pense pas que si je fais des vidéos trop longues, je pense pas que ça va vous plaire. Du coup, en tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, mets le like, commente, partage et abonne-toi. C'était la chaîne de Quentinou. Salut!